Au mieux que tu ralentisses, moi ça va, je me retournerai pas. Mais toi par contre, si tu ralentis pas, tu te retournes, c'est sûr. Oui mec, je t'ai dit. Fais gaffe le tournant Hugo hein. Mais vraiment, fais gaffe, non. Oh merde. Salut tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 22 de la KR Suivi. Aujourd'hui les gars, on commence les betteraves, on vend du coup du matériel. On va vendre aussi l'ancelos qui nous sert à rien et on va faire quelques achats. Du coup les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et on se retrouve tout de suite, juste après un coup. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien pour cette vidéo, je suis accompagné d'Hugo, salut Hugo. Salut. Est-ce que ça va? Ça va très bien et toi? Eh bien écoute, moi ça va carrément bien. Les amis, on est concessionnaire parce qu'on va faire quelques ventes. Du coup ouais, on va essayer de vendre donc la pailleuse, la mélangeuse tout simplement parce que nous ça. Et en plus l'ancelleuse Hugo normalement. Ouais l'ancelleuse, tu vas la chercher ou tu veux que j'aille la chercher? Bah je vais aller la chercher donc, tranquillement. Vas-y vends pour l'instant, je vends déjà ces deux trucs parce que tout simplement on va donc s'acheter une nouvelle stabulation. Alors peut-être pas aujourd'hui parce qu'on a plus que 10 000 euros, mais on va s'acheter une nouvelle stabulation, on va s'acheter une nouvelle du coup un nouveau bol mélangeur, c'est ça? Bol mélangeur pailleur, je crois. Allez, du coup, hop, ça dégage, la pailleuse. La mélangeuse, du coup, 31 000 euros de plus. Ok, et l'ancileuse qu'on va aller vendre, donc je vais la chercher tout de suite. Ok, vas-y, Hugo, je prends l'ancileuse. Ouais. Je vais aller la vendre, comme ça sera fait. Et bah, du coup, on aura un petit peu d'argent en plus. Faut qu'on s'occupe de nos stocks aussi. Je crois qu'on a plus de stock, on a plus rien. Vas-y, Hugo, bah, c'est parti, j'y viens. Vas-y, let's go. Je vais aller amener, du coup, la petite machine. Elle a quand même deux. On a, voilà, que 3 heures. En vrai, on s'en est servi tellement peu de fois. Mais on aurait dû la vendre depuis le début. En fait on aurait dû la louer ouais. Je pense. Ouais je pense. On l'aurait loué, ça aurait été vachement mieux. Bon du coup on va la vendre, on va se faire environ du coup je crois que c'est 50 000 euros l'ancileuse, 40 000 euros la barre de coupe. Donc on va avoir. Ouais mais même on va avoir beaucoup d'argent donc ça va faire plaisir. On a refait des stocks d'herbe donc nos stocks d'herbe normalement sont plutôt pas mal. Là il faut qu'on refasse de la paille. Parce qu'on a plus de paille du tout. On a vraiment plus rien. Donc faut qu'on fasse un petit peu de paille. Et toi t'es parti battre parce que je vois deux batteuses qui bat là. Ouais, non l'autre elle a fini la case. Okay. Il est où le barre de coupe? Il est où le chariot de barre de coupe? Il est là-bas. Ouais je crois qu'il est encore là-bas. Vas-y viens on va vendre ça. On a à l'usine. Ouais. Pour faire de la farine. Ok, ok. Ah, oui, les usines, faut qu'on s'en occupe aussi. Attends, déjà, il faut qu'on monte la nouvelle stabulation parce que là, en gros, nos vaches, faut qu'on s'en occupe et tout. Ouais. Mais du coup, est-ce que je rachète la mélangeuse Robert? Bah ouais. Ok, vas-y. Bon, déjà barre de coupe. Mec, 58 000 euros la barre de coupe. Est-ce que la batteuse 4. Mec, l'argent. Insane. Voilà. Bah, du coup, on a 200 000 balles. Je pense qu'on peut rembourser le prêt, hein. Ouais je pense. Allez on rembourse. Pourquoi on avait 135 000 euros? Attends. Et pour acheter la mélangeuse normalement il nous reste 80 000 euros. Et je crois que la mélangeuse coûte 80 000 ou même moins. Ah attendez. Du coup ouais, les mods les gars si vous le voulez ils sont sur le site hein, sur Star Mod. Donc vous avez 70 000 euros. Et elle fait 30 mètres cubes. Alors 30 mètres cubes c'est même plus grand que la mélangeuse automotrice. Ce qui est bizarre mais bon écoutez c'est comme ça. On va pas dire non. Donc là on le prend comment? On le prend comme ça. Là on peut mettre un petit réservoir de... Comment ça s'appelle Hugo? C'est ce que tu mets. Additif. Ouais mais du coup est-ce qu'on en met? Je sais pas si ça vaut le coup. Pour l'instant on la prend normal la mélangeuse. On la prend comme ça. 70 000 euros. Allez vas-y. Elle est balèze par contre. Ah mais par contre si. En vrai elle fait vraiment 30 mètres cubes parce qu'elle est super grande. Hein. L'autre elle était plus longue mais beaucoup moins grande. Oh, mais là mec elle est haute par rapport au petit Maxum, ça fait trop bizarre. Hein. Ah vas-y je ramène ça. Quoi? Là il nous manque des tracteurs en vrai. Hein. Mais tu as pas racheté un tracteur encore. On a plus de thunes mec. Vas-y je ramène ça à la ferme. Comme ça c'est bon. Nouvelle petite pailleuse. Enfin mélange... Du coup pailleuse mélangeuse au final. Hein. Parce qu'en vrai on va faire les deux. Ouais. Par contre on pourrait mettre beaucoup plus pour pailler, on pourrait mettre moins de temps par contre. Ouais, bah ouais mais là faut qu'on même si on se prend la grosse stabule, faut bien nourrir les vaches, t'as toujours les vaches allaitantes. Comme ouais. Les nourrir. Là il faudra qu'on aille. Je sais pas si on avait pas tout amené je crois en vaches allaitantes, faut qu'on aille en vendre quelques-unes d'autres je crois. Ouais, en tous les cas on est en live demain les gars. Donc venez demain on sera en live. Hein. Demain on est en live demain soir, chaîne principale, donc on va je pense bien bosser. D'ailleurs il y a un vlog qui va sortir aussi très bientôt sur la chaîne, donc bah hâte que ça sorte. Hein. Alors du coup qu'est-ce que ça donne? On va ranger la pailleuse là. Enfin la pailleuse du coup la mélangeuse. Mais du coup on a plus de pailleuse ça veut dire. On va pailler avec la mélangeuse. Ah oui. Mais je sais pas si ça se fait en vrai ça. Les gens ils font pas ça non. Les mélangeuses pailleuses. Ouais. Ah si on a. Ah ouais tu penses. Que là les animaux j'avais tout nourri vous expliquer. Mais d'ailleurs faut qu'on commence à ramasser nos betteraves c'est pareil ça. Attendez. On va récupérer la petite ropa. Donc ça c'est bon. Donc on a récupéré nouveau matériel c'est parfait. Là on a la bétaillère qu'il faudra qu'on aille ranger. Et là on va récupérer du coup. Donc là on a semé un. Donc pour expliquer. On a semé un champ de betteraves sucrières. On a semé. Attends, qu'est-ce qu'on a semé d'autre ensuite? La colza, je crois. Et puis. Betterave, colza, avoine là-haut. On s'est dit quoi ça là-haut? Ouais, colza. Et dans le champ là-bas, on a du blé pour faire de la paille. Donc en gros, pour les usines, on aura quand même un petit peu. Là, on aura du sucre. Mais du coup, on fait quoi, Hugo? Les betteraves, à mon avis, vaut mieux pas qu'on les amène dans l'usine pour l'instant. Non, moi, je préfère faire. Garder des sous pour les betteraves. Pour les betteraves. Ouais, elle est insane par contre. Regardez-moi cette machine, les gars. Moi, je suis allé en filmer, les gars. J'avoue que c'est quand même insane. Hein. J'avoue que ces machines-là. Alors, on va faire d'abord ce champ. Je sais pas si il y aura beaucoup de rendement ou quoi. Bon, il y a qu'un champ alors. Ouais, il y a qu'un champ. Alors, du coup, on dépile avant. Regardez-moi ça. Regarde ce truc. J'avoue, quand t'es dedans, c'est balèze. Alors, hop, comme ça. Tu baisses, t'actives. Et après, c'est parti. Hein.
Attends, hop, hop, hop. Vas-y, va bien dans la barre de coupe, comme ça je t'écrase. Ok. T'inquiète. Et du coup, attends, est-ce que je me fous en crabe là? Y a pas une touche pour me se mettre en crabe? Attendez, c'est CTRL Y, non? Ah voilà! Oula, 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 oula. Là, je suis en crabe. Oula. Quelle est l'utilité? Je ne sais pas. Non, en vrai, si, c'est pour pas. Ouais, mais attends, mais là, je fais de la merde là. À mon avis, gros, va falloir qu'on ramène toutes nos bennes. Ah bah, ça va être compliqué. Ah, mais là, ouais, j'avoue. Accélère un petit peu, Hugo. Accélère, accélère. Pourquoi ça vide pas? Mais attends, je me mets mal ou quoi? Attends. Mais si, pourtant, le rouleau il se met en route quand tu vas dessous. Bon, les gars, on a mis l'ouvrier. Et normalement, avec l'ouvrier, ça devrait fonctionner. Mais je crois pas, ça va pas vider. Attends, là, je vais dessus. Là, c'est l'ouvrier Hugo. Bon, Hugo, du coup, il va continuer à ramasser. Ouais. On n'arrive pas à trouver pourquoi ça marche pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de benne. Donc, je vais aller vider la benne d'avoine à l'usine. D'ailleurs, il y a la classe qui est pleine d'ailleurs là-bas. Faut qu'on aille la vider. Je récupère le petit classe. Le nouveau classe qu'on s'est acheté, stage 5. J'avoue qu'il est, carrément stylé. Elle est pleine ou pas? Ah non. Mais c'est du colza qu'il y a là-bas ou pas? Oui, c'est du colza. Hein. Ou de l'avoine. Dans le champ, il y a de la classe. Parce que là, j'ai la benne. C'est du colza. Ah, donc c'est mort. Vas-y, bah allez. Je vais à l'usine. Comme ça, je vais aller amener ça pour de la farine. Vas-y Hugo, bah je suis sur la route là, j'y vais avec la petite benne mobile. Mais du coup, tu penses qu'il faut qu'on trouve une nouvelle benne ou on garde voilà, du chêne? Bah je sais pas, ou alors c'est peut-être un pourcentage qu'il faut mettre, j'en sais rien. Non mais moi je pense que c'est surtout un bug, un mode qu'on a dû mettre qui a dû bugger. Donc on va voir si on peut vider. Sinon au pire on essaie de vider dans le silo, tu sais, directement sur la vis. Ça se trouve ça va marcher, tu sais, dans la vis là. Ouais mais je sais pas si le silo il met les betteraves. Ah peut-être pas, ah je sais pas. Comme les betteraves normalement ça se met pas dans le silo, ça se met en vrac par terre. Ouais. Et bah en plus on arrive même pas à vider en vidant par terre, donc c'est pour ça. Alors, j'arrive dans l'usine, la farine. D'ailleurs, est-ce qu'on a des trucs à vendre? Parce que de l'huile, il en reste un petit peu. Oh, Hugo, d'ailleurs! Ah oui, il faut que t'ailles vendre les palettes buggées. Et oui, les palettes buggées, les gars, de la dernière fois, enfin, elles sont débuggées. Donc, du coup, bah, maintenant, on peut les vendre. Ah, vas-y, attends. Nickel. Parce que là, au niveau des usines, je crois que tout est arrêté. Hein. Enfin, on a vraiment plus grand chose. Tissu, laine. Ah, si, la laine, c'est bon. L'huile, il n'y a plus d'huile. L'autre usine de. Non, il n'y a plus. Niveau du pain, il y a du pain à les vendre, mais il n'y a plus rien. Blé, farine. Ah si, il reste un petit peu d'avoine, mais c'est ce que je vide en fait, donc c'est bon. Et vêtements, pas grand chose. Ok. Vas-y, bah Hugo, je reviens avec le tracteur. Hein. Ouais. Je reviens, et puis après, je vais m'occuper de vendre, tu sais, le. Oh, il y a du pain. Non, c'est pas du pain, c'est des vêtements. Oh, Hugo, il y a des vêtements à vendre. Ah bah oui. Oh, de quoi, des palettes buggées? Non, mais c'est les palettes qui sont à l'usine. Des vêtements qui sont stockés encore, on n'a pas tout vendu. Ah, mais c'est normal, c'est qu'on a passé la nuit. Ah ouais, c'est pour ça. Vas-y. Bon, bah j'arrive. J'arrive, Hugo. Ok, j'arrive. D'ailleurs, il faut encore qu'on s'occupe de nos moutons. Il y a de la laine, je crois, à amener avec la Starliner là. On va essayer de récupérer ça. Alors, en espérant que ça marche, normalement, bon, t'es plus. Oula, oula, tout va bien, Hugo. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli me retourner. Oh là, qu'est-ce que tu fous là, toi? Attends, j'ai fait n'importe quoi. Là, ce que je vais faire, Hugo, je vais aller vendre, tu sais, les pattes qui étaient buggées là au concessionnaire. Là. Enfin, au concessionnaire, au point de vente. Alors, on va récupérer ça. Donc, comme du coup, elles étaient buggées sur la Starliner. Du coup, on a même pas pu la vendre. Mais là, du coup, elles sont débuggées. Pourquoi il y a une palette là? C'est quoi ça? Oh, il y a une palette de textile. Bon, Hugo, on espère se faire un petit peu d'argent là. On a tout, oh ouais, tout ce qu'on a, mec, tout ce qu'on a à vendre là. 600 euros, impeccable. Là, on a une palette de tissu complète qu'on vend là. Là, une palette de tissu, ça fait un petit 5000. 8000 euros, juste une seule palette. Hein. Bon, Hugo, ça fonctionne. On a désactivé un mode, les gars. On a redémarré le serveur. Et du coup, parfait. C'était le mode de déchargement automatique qui déconnait. Parfait. Ouais. Par contre, la mec, je vais plein, non? Tu veux déjà emmener la benne à Marie, ça me dit Dieu. Par contre, moi, j'avoue qu'elle est pleine. Vas-y, Hugo, je vais prendre le JD et je vais aller amener la benne du chêne à la classe parce qu'elle a pas de benne vu qu'on utilise deux bennes pour la vidéo. Enfin, pour les betteraves. Bon, nickel. Du coup, ça fonctionne, les gars. Je suis assez content parce que je t'avoue que c'était chiant. C'était à cause d'un mode. Je savais que c'était à cause d'un mode. Alors, ça, on va le poser. Des betteraves, on va refaire. Hein. Je pense qu'on va refaire des betteraves parce que le rendement est insane. Hein. Ouais. Bon, y a un pack d'ingrédients qui est sorti avec des épandeurs à fumier. Bah, le problème, c'est qu'ils sont pas plus grands de ce qu'on a, donc bon. C'est pas très grave, hein. on va pas en acheter des nouveaux, mais peut-être que, à mon avis, ça serait plutôt sur les trois fermes. Dès qu'on aura des animaux qui font du fumier. Ah, attends, merde, j'ai du soja, j'ai du sorgho dedans. D'ailleurs, les gars, je vous ai pas dit, j'ai fait une petite tonne de décoration, je me faisais chier, je me suis dit, j'attendais Hugo, j'ai mis quelques petites décorations, un vieux tracteur, etc. Tous les modes, les gars, si vous les voulez, ils sont sur le site, hein, sur Star Mode, il y a des modes de déco insane qui sont sortis, donc bah voilà, du coup, c'est plutôt propre. Vas-y, j'arrive, Hugo, je vais amener ça à la classe, comme ça, elle aura de quoi vider, et après, il restera plus qu'un seul champ à faire, je crois. Ouais, un champ de blé. Un champ de blé. Par contre, je t'avoue, ouais, des betteraves, mec, je pense qu'on va en faire dans un énorme champ. Je pense des betteraves, si on en fait dans le champ où il y a la classe, ou même celui de gauche, là où c'est qu'il y avait de quoi. Il faut qu'on aille presser, dire. Je pense qu'on va avoir beaucoup de rendement. Mais ouais, je pense que des betteraves, c'est une bonne idée. Attends, vas-y, j'arrive avec la benne. Et je disais, ouais, des betteraves, si on en fait partout. Alors, est-ce qu'on rachète une machine beaucoup plus grande? Je sais pas. Parce qu'on a quand même pris une des plus petites, hein. Ouais, déjà, on va rentabiliser celle-là, déjà. Ouais.
J'avoue, déjà, on a acheté deux batteuses, on a racheté deux semoirs, un nouveau tracteur et tout. Le nouveau classe la dernière fois, je pense qu'il faut qu'on se détende, Hugo, parce que là, on, là, on a un petit peu trop, trop d'achat, je pense. Déjà, là, on peut rembourser l'emprunt, déjà. Ouais, mais il est remboursé, je crois, tout à l'heure. Non, non, t'as remboursé une partie, il en reste 10 000. Ah, bah, c'est bon. Bah, c'est bon. Mec, on est bien. Bah, impeccable. Plus d'emprunt, il nous reste 133 000 euros. Peut-être pour ce soir, bah, pour demain. Ouais, par contre, bah, du coup, à demain, on est en live. Et attends, je vais quand même vous montrer la tabulation, juste voir que, parce que du coup, je viens de la mettre sur le serveur là, à l'instant là. Ah, attendez, vu qu'on a redémarré le serveur, la batteuse. Par contre, j'avoue que la batteuse elle est insane par rapport au tracteur et la benne, ça fait ridicule. Hein. Ça fait une toute petite benne pour une batteuse énorme. Je pense que là, je vis une fois, la benne est pleine. Hein. Non, mais le stabule, il faudra mettre du concentré. Bah, du, ah, ouais, ouais, attends, du coup, je vais regarder. Déjà, la stabulation dans animaux, c'est vache. Donc, du coup, il y a. Attends, mais il y en a d'autres. Hein, attendez, il y en a... avec robot. Ah, en fait, ça rajoute deux stabulations. Bah, du coup, écoute. Alors, Hugo, il y a un petit problème. C'est que ça coûte 1 million d'euros. Je te jure. Quoi ? Elle coûte 1 million d'euros parce qu'en fait c'est un mod et c'est la stabulation qui coûte de base 700 000 euros mais modée avec 500 vaches. Et elle coûte 1 million d'euros. Je rigole pas. T'inquiète gros, ça va le faire. Bah les gars, et du coup on vendrait l'ancienne, c'est ça Hugo hein ? Ah ouais, par contre, oui. Bah l'ancienne on la vend quand même 500 000. Ouais, en avis du coup on la mettrait plutôt comme bah, ça ouais. Les gars, comme ça on vend l'ancienne. Celle-là, il y aura les robots juste devant, comme ça on aura accès aux, enfin, à tous les silos et tout. Ah bah non, elle est pas pleine la benne. Ok, je crois qu'elle était pleine. Vas-y, bah je remets la batteuse en route. Attends Hugo, je vais ramener parce qu'il y avait un chargement de bottes de foin dans bah, sur un plateau. Je vais la décharger, comme ça au moins ça sera propre. Et on aura nos bottes qui sont bons. Enfin, est-ce qu'il faudra refaire de l'herbe, je sais pas. Parce que, oui, bon, il faudra faucher, ouais. Bah il faut faucher de fou. Ouais. A voir aussi si on prendrait pas de ces nouvelles machines pour faucher. Ah, une crone là. Ouais, non mais carrément. Ah, une faucheuse automatrice. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça peut être sympa. Hein. Ouais. Parce que, je pense que bah, en vrai, si on a de la thune, bah là, déjà, oh, du coup, c'est objectif les millions d'euros. Du coup, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bon, ok, c'est bon, les bots sont déchargés. Un peu bizarrement, parce que ça a bugué, du coup, on a un peu à droite à gauche, mais bon, au moins, ils y sont. Je vais mettre un. Bah, du coup, je remets un tracteur à semer, enfin, à faucher, Hugo. Ouais. Où sont les faucheuses, par contre? Je mets un tracteur à faucher, il faut amener la laine, du coup, à la filature, un petit peu, je pense. Et ouais, bah, dès que les deux bennes de betteraves sont pleines, on va les amener, et je pense qu'on aura fait une bonne petite vidéo, en tout cas. Donc ouais. On fera ça et puis du coup bah, on continuera à faire tout ça prochain live du coup demain soir nouveau live, on finit les betteraves, on essaie d'atteindre le million comme on peut, je sais pas comment on va y réussir mais on va essayer de faire le maximum et mais bon en vrai. Alors, si moi, je pense lundi en vidéo ou lundi prochain. Ouais, nouvelle tabulation. Ouais. Moi je pense qu'il y a moyen. Du coup les gars en fait pour vous informer, on sera au salon d'agriculture samedi et dimanche prochain, bah du coup fin de semaine quand on est au salon d'agriculture. Donc s'il y en a qui y vont les gars, n'hésitez pas. Et puis ceux qui veulent voir aussi que je suis ou quoi, je vous ferai un vlog les gars sur la chaîne secondaire sûrement ou chaîne principale, on verra. Petit vlog de tout, je vais tout filmer, tout ce qui va se passer. Bon le bâtiment il passe limite là, hop là. Et comme ça il y aura une petite vidéo, là il y aura une vidéo Michelin qui devrait sortir j'espère mercredi, je sais pas trop quand mais j'espère mercredi, petit vlog Michelin. Et ensuite il y aura une vidéo de chez Newland parce que du coup le live qu'on a fait, du coup c'est plutôt une vidéo qu'en live. Donc ça sortira du coup pareil très bientôt sur la chaîne, donc voilà. Ok bon l'ouvrier il fait sa vie et là il n'y a pas le 900, il est où? Bah le 900 il est sur le caisson. Parce que si tu veux chercher bah le 820 il fauche. Attends. Ah mais où le T7? Il fait rien. Ah bah voilà. Voilà, le T7, je pense qu'il est dégueulasse. D'ailleurs le T7 les gars, c'était exactement lui qu'on a testé, que j'ai testé mercredi dernier. Donc vous le verrez en vidéo aussi sur la chaîne bientôt. Vu que c'est exactement celui-là, juste en roue, mais pas en blue power je crois, et en roue normale. Alors, il faut le dolly ou pas? Attends, parce qu'il est où le truc? Bah oui, il faut le dolly. Où il y a tout. C'est nous, le camion aussi nous. Ah oui, le camion. Le camion il est sur la citerne. Ouais, mais du coup, j'ai déjà. J'ai tracteur. Bah non, je prends le tracteur vu qu'il est déjà bon. Mais oui, le camion, on a un camion. J'avais complètement zappé. On l'a acheté ou on l'a loué? Il est en location le camion. Hein. Alors. Merde, j'ai pas ouvert la bonne porte. C'est pas grave. Allez, charge-moi tout ça. Bah ouais, on peut faire un petit peu plus. Mais bah là, le million, ça va faire nickel. Parce que du coup, là, on amène pas dans l'usine pour l'instant, les gars. Parce qu'on préfère vendre et. Parce que l'usine, ça ferait une usine de sucre du coup. On va faire du sucre et pour l'instant je sais pas si ça vaut le coup de faire du sucre, enfin on a pas l'argent. Ouais, d'abord le stabule et puis voilà. Ouais, et après on verra. Vas-y, bah, il faut que j'aille ramener des œufs aussi tant qu'à faire, je charge des œufs, hein. Comme ça les œufs sera bon. Allez hop, on met les sangles. Hugo, j'ai 15 000 de laine et 38 000 d'œufs. Donc je pense on va pas... Oh. On devrait se faire un peu de revenus. Par contre du coup je suis bête si je ramène les œufs et la laine en même temps, donc bon. Ok Hugo, j'arrive avec le... Merde, avec la semi. Ouais. Je vais aller vendre du coup. Enfin, j'amène les palettes de laine et après les œufs, bah, je vais les amener au concessionnaire. Ou alors l'ouvrier ira les amener. Enfin, l'ouvrier intelligent, on va dire.
Comme ça, on ouais, est bon. Pour un moins intelligent, quoi. Et du coup, bah, j'espère que vous avez kiffé, les gars, le fait de pouvoir. Qu'on va commencer à faire des betteraves et tout. Enfin, ça va vraiment être bien. Et la stabulation, bah, c'est pareil, mec, la stabule. Mais le 1 million de balles, mec, j'étais pas prêt à ça. Alors, mais les œufs, ils ont pas accepté. Les œufs, c'est normal. On va juste reculer pour les palettes de laine. Ok, bon, les gars, c'est bon. J'ai déchargé toutes mes palettes de laine. Il en reste 1000 dans la remorque, mais je pouvais pas les décharger. Donc là, je mets l'ouvrier Hugo. J'amène tous les œufs au point de vente. Et puis après, je viens t'aider. On va vider toutes les betteraves. Hein. Et après, normalement, on devrait être bon. Attends, je mets juste l'ouvrier là, comme si on est bon. Alors, ouvrier. Alors, c'est parti, tu vas aller où? Toi, tu vas aller... c'est où? C'est là. Là. Démarrer. C'est parti, ok. Il faudra qu'on aille presser, mais ça, les gars, on le fera demain en live, à mon avis. Le camion, il est là. Il fait rien de mal. Et ensuite, les betteraves. La benne est pleine. Et les caissons, tu dis, Hugo, il est à combien de pourcents? Oui. Si tu veux, tu peux venir, je vais le compléter. Vas-y. Bah oui, je suis à 91%. Ah, vraiment, le chargement qu'on fait là, gros, il est insane, hein. Oh non, mais les betteraves, là, mec. Rien qu'avec les deux bennes là, c'est quasiment 40 000 euros. Non, mais surtout que ça, ça prend tellement de place, mec. T'as fait même pas la moitié du champ. À peine la moitié du champ, et on a déjà deux bennes complètes. Genre là, on a presque 100 tonnes déjà. Enfin, c'est fou, quoi. Vas-y, j'arrive. Non, on va faire encore deux ou trois bennes. Non, mais là, c'est sûr, on fait moins de 2 ou 3 bennes. Vas-y, on amène ça à Marisson, les gars, faire, comme ça. On va être bien. Avec le champ, on va faire, si on fait 120 000 euros, c'est pas mal. Ouais. 94, 96, 96, 99, 100. Ok, il reste encore 10 tonnes. Bon, parfait. On va laisser la machine là. Hugo, c'est parti, on y go. Let's go. Allez, je crois qu'il va galérer un peu dans le tracteur, par contre. Hein. Moi, le mien. Bah oui, mec. Ah, t'as combien? Moi, j'ai 45 000. Hein. Moi, j'ai 33. 33 000, ok. Ouais, mais tiens, il est un peu moins plus. Ok, tiens, il fait 200 chevaux, non? Ou 300? Maintenant, 300. Comme c'est un truc. Ouais, 300. 300, bah moi, il fait. Bah, il doit faire pareil à peu près. Hein. 350, peut-être. Ah, non, le tien, il fait 420. Ah, ok. Bah, t'as mieux. Ouais, mais il roule à 74. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, à mon avis, t'arriveras pas à arriver à 74. Hein. Si t'arrives à me doubler, mec, je te donne une betterave. Vas-y. Ah. Vas-y, attends, essaie de me doubler. T'arriveras pas à me doubler, mec. Hein. C'est impossible. Allez, accélère. Je crois que j'avais couché la benne. Vas-y, t'as combien? Je suis bloqué à 43 là. Je peux pas aller plus vite. 44. 43? Ouais. 42, 43, 44, 45. J'ai 47, 46, c'est mort. 48, 49, 50. 51. En fait, ouais. Par contre, tu vas ralentir. Vaut mieux que tu ralentisses. Moi, ça va, je me retournerai pas. Mais toi, par contre, si tu ralentis pas, tu te retournes, c'est sûr. Hein. Non, mais mec, j'ai dit que t'allais te retourner, mais qu'il va pas écouter. On sait que t'allais passer. Mais non, ça passe pas. Je la connais, cette benne, elle passe pas. Vas-y, allez, on part. Oh, si, regarde mon tracteur. J'aurais testé, je m'aurais pas retourné. Mais mec, c'est la benne. Je lui dis, mec, ralenti, parce que sinon tu vas te retourner. Allez hop, ça dégage. Ah là là. Ah merde, qu'est-ce qu'il a fait, l'ouvrier là? Ah, oh, mais il a fait un bouchon en plus. Bah non, y'a pas de voiture. Ah. Ah là là. Ah, je te jure. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'ouvrier? Oh là là, il s'est kéblo dans les arbres. Bon, gros, le chargement. Fais gaffe le tournant, Hugo. Hein. T'inquiète. Mais vraiment, fais gaffe, non. Oh merde! Aïe! C'était sûr ça. Alors attends, c'est quoi cette benne en carton aussi? Mais c'est pas une benne en carton, c'est que là c'est la mopu. Bah justement. Merde, allez freine putain. Allez, je vide ça, je loue le train Hugo. Et on va dire. Pas rouler vite hein, c'est ça le problème. Non, tu t'es vite à 50 avec une benne de 20 tonnes quoi. 30 tonnes même. Non, même pas. Ok, bah moi c'est bon, c'est vidé. Je veux que tu vides. Ouais. Oula, on va arracher le toit. Ah! Non, c'est bon. Regardez-moi ça, la thune qui tombe. Allez, Hugo! Bah, t'avais un truc à côté. Aïe. Allez, c'est parti. Bon, bah, plus qu'à attendre le train et puis on sera bon. Je croyais que j'aurais ta benne, je m'aurais jamais retourné. Vas-y, attends, on va quand même aller, les gars, on va s'arrêter là, mais on va juste attendre que le train, qu'on arrive à vendre, au moins voir combien de thunes on se fait. Vas-y, vend. C'est bizarre qu'on dirait des oignons, le truc. Allez. N'arrache pas le toit, Hugo. Attention, le toit. Ok, propre. Bon bah faut attendre le train. Ah. Putain, mec, j'aurais ta benne, je m'aurais jamais retourné. Allez, 2 km 1, il vient ou quoi? 2 km, bah gros, faut attendre. Ok les gars, le train est arrivé. Bon, alors Hugo, on va charger tout ça. On a du coup combien? On a 78 000, hein, pratiquement 80 tonnes déjà. En un seul voyage, hein. Bah en deux bennes, mais d'un seul voyage. Vas-y, on charge ça, on va vendre. Vraiment, le prix, est-ce qu'il est bon, Hugo? Bah ouais, moyen, mais bon, au pire, on va le vendre. Bon, au pire, on va voir ce que ça donne. Là, on a 78 tonnes. Bon, vas-y, Hugo. 78 000 à vendre. Bon, à voir, hein. Allez, 3 d'un go.
35 000. Mec, t'as eu juste 35 000. Ok, parfait. Bah, c'est déjà ça. En vrai, on va finir le champ. On aura fait quoi? 60 000, 70 000, 70 000 avec le champ en vrai. Donc, ça va. Hein. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Bon, les gars, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. On se retrouve du coup demain soir en live avec Hugo. Faut qu'on termine les betteraves. On va peut-être essayer d'atteindre le million d'euros. On va faire comme on peut. Enfin, on va se débrouiller comme on peut. Est-ce que tu penses qu'on y arriver avant lundi prochain, Hugo? Peut-être lundi, peut-être en vidéo, ouais. Ouais, on va voir. Ok, on verra bien. Bon, écoutez, les gars, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'était Starvio Hugo. À la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Salut.